Premièrement, nous voulons garder la primauté de notre intervention à notre Seigneur. Le Seigneur Tout-Puissant, celui qui est maître des cieux et de la terre, qui est souverain dans les cieux et sur la terre, qui nous a fait passer une année 2022, pas agréable sur toute la ligne, mais dans sa souveraineté, a permis que nous puissions nous parler encore à l'orée de cette nouvelle année. Et donc, que son nom soit glorifié et que toute la gloire lui revienne. Eh bien, je voudrais présenter à tous les téléspectateurs mes vœux sincères de bonnes et heureuses années, de joyeuses fêtes de la Nativité aussi, et que le Seigneur bénisse davantage le Burkina Faso et tout son peuple, et même de la diaspora.